plus. Ah franchement terrible. J'ai ça, j'y joue toute la journée. Bah je fais pareil. Salut les passionnés, bienvenue pour un nouveau test. Je vous l'annonce direct, c'est le test le plus passionnant que j'ai pu faire jusqu'ici et je pense que ça va faire un buzz terrible. Alors je suis super excité de vous présenter le nouveau simulateur de tir Game. Enfin, un simulateur de tir accessible à tous. Alors je pense que vous m'aviez tous vu dans les Whiteboard Fever nous entraîner mais aussi nous éclater avec cet outil qui à la base était destiné aux professionnels armuriers ou moniteurs de tir. Mais pas au grand public. Ça mettait environ une heure à être installé, il fallait des capteurs de partout, une énorme valise, un ordinateur, etc. Et à l'époque, j'étais tellement convaincu de l'intérêt que je les avais suppliés de travailler sur une version accessible au grand public. J'étais sûr que ça ferait un tabac. Ils m'avaient promis d'y travailler et qu'ils me tiendraient informé. Voilà, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, le responsable de Game m'a rappelé et ils m'ont dit, ça y est, on l'a fait. Il faut que tu présentes ça aux Français. Nous y voilà. Et je les remercie de leur confiance, puisque grâce à ce partenariat, donc j'ai pu avoir en exclusivité pendant plusieurs mois tous les produits et bien les tester. Je me suis déjà donc bien amusé avec quelques potes et j'ai pu aussi apporter quelques améliorations aux différents scénarios. Alors je vous avais dit que la version Pro était longue à installer avec une tonne de matos, et bien désormais c'est juste ça. Vous pouvez les emmener et vous en servir absolument partout. Alors je parle de m'amuser avec, mais à la base ça n'est pas un jeu, c'est un vrai simulateur d'entraînement avec des vraies données balistiques, mais c'est tellement bien fait et tellement ludique que ça en devient aussi un jeu et vous allez bien vous marrer avec ça. Alors pour moi ce test il fait du sens car vous savez que je milite toujours pour que les chasseurs s'entraînent un peu plus pour être efficaces à la chasse. Bien tiré, bien sûr c'est satisfaisant pour soi, mais c'est surtout mieux d'un point de vue éthique car on prend la responsabilité, je vous le rappelle, de tirer sur des animaux vivants et on se doit d'être efficace. On se doit d'être précis et éviter des souffrances inutiles. Alors qu'est-ce qu'on avait jusque là pour nous entraîner? Je pense vous avoir déjà emmené un petit peu partout. Vous avoir emmené au sanglier courant. Alors le sanglier courant, bien entendu, c'est super, mais pour le côté pédagogique, c'est un peu difficile d'analyser. On n'analyse que les résultats et on n'analyse pas les mouvements. Alors les ciné-tir et le ST2, c'est chouette parce qu'on peut y aller en plus avec son arme. Et d'ailleurs, pour le ciné-tir, on peut tirer à balles réelles, ce qui est vraiment bien quand on veut travailler son appréhension du recul. Mais il faut reconnaître que pour ces deux outils, ça peut être rapidement assez cher, surtout quand il n'y en a pas toujours à proximité de chez soi. Une des limites de ces deux systèmes, c'est que vous ne pouvez tirer que devant vous, sur un mur plus ou moins grand, en fonction du ciné-tir ou du simulateur, c'est des vidéoprojecteurs qui projettent l'image, et ça limite en fait un petit peu l'exercice en termes spatial. Avec la réalité virtuelle, ça va être à 360 degrés, comme dans la vie. Ça peut venir de derrière, en haut, en bas, à gauche, de partout. Alors pour moi, aujourd'hui, j'ai trouvé l'outil le plus chouette en termes d'accessibilité et de rapport qualité-prix. La seule différence évidemment qu'il y a avec les autres simulateurs, c'est que vous ne pouvez pas y aller avec votre arme, ce n'est pas votre arme à votre configuration. Et ça c'est important, mais vous verrez qu'on peut régler énormément de choses. Alors cet ensemble, de quoi s'agit-il? Je vais tout de suite séparer les deux produits que constitue le simulateur. Alors il y a tout d'abord le casque de réalité virtuelle, celui-ci c'est le Oculus Quest 2. Et c'est en fait une véritable console de jeu. C'est comme une PlayStation avec la télé intégrée en gros. Il détecte les manettes, vous en avez ici une, qui fait partie donc du système Oculus, vous en avez deux. Et vous pouvez jouer à des tonnes de jeux. Vous pouvez regarder YouTube en normal ou bien à 360 degrés. Et il y a des trucs vraiment sympas à faire en immersion avec. Ensuite, vous avez le produit Game. Alors premièrement, ce fusil, il a été lesté pour qu'il fasse un poids qui ne soit pas assimilable à un jouet. Il a une détente très réaliste, qui est appareillé à l'Oculus en Bluetooth. Et donc il y a un support au bout qui est fait pour y glisser la manette de l'Oculus. Et c'est ce qui fait qu'il va permettre de localiser votre arme en traquant de manière super précise le moindre mouvement du canon. En fait, voilà, la manette communique avec le casque et c'est ce qui va représenter donc votre mouvement de carabine dans le jeu. Voilà pour ce qui est du fusil, et vous allez aussi avoir une application, le jeu, l'application Game, qui se télécharge directement sur l'Oculus, au même titre que vous pouvez le faire avec vos smartphones. Donc cette application, elle a été développée pour être réaliste. Et bien entendu, il y a des facteurs de correction standard, que ce soit pour le tir à l'arme rayée ou le tir à l'arme lisse. Allez, je ne vous fais pas plus attendre, on rentre directement dans le simulateur. Voilà les amis, donc on se retrouve dans le salon, on ouvre l'application Game, et on se retrouve dans le menu.
Donc voilà, une fois qu'on arrive dans le menu, ce qui est important de signaler, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a un réglage. Vous pouvez ici donc régler vos profils. Et bon, moi c'est celui-là, Failio. Vous allez dans les réglages et vous pouvez régler absolument tout. Donc ce qu'il faut en fait, c'est que l'arme soit exactement comme celle que vous touchez. Vous voyez juste pas vos mains évidemment, mais vous voyez que quand je la bouge, ça reproduit exactement les mêmes gestes. Et donc voilà, vous pouvez monter, etc. et la régler complètement à votre configuration pour être fin bien au moment où vous épaulez. Donc voilà, là le but, vous voyez qu'il est un tout petit peu trop... Hop là, voilà. Et là maintenant, mon point rouge, il est bien centré. Une fois que vous avez tout réglé, vous avez donc votre carabine, votre fusil, et votre fusil d'assaut. Alors calmez-vous, on va pas aller au sanglier avec ça. On retourne au menu. Alors voilà, une fois qu'on arrive sur le menu, vous avez 11 scénarios pour le moment. Allez, on commence tout de suite par l'entraînement. Donc en fait, avec ce scénario d'entraînement, vous allez voir que vous allez avoir des tas de paramètres et vous allez pouvoir simuler des tonnes de scènes de chasse différentes. Moi personnellement, c'est un de ceux avec lequel je m'amuse le plus parce qu'on peut se donner des défis vraiment sympas. Alors il y a toute une partie, en fait, vous pouvez choisir vos animaux ou vous choisissez des cibles fixes. Alors pour ce qui est des cibles fixes, vous allez voir que c'est rigolo 5 minutes, c'est bien pour les enfants. Moi après, personnellement, j'aime quand ça bouge. Voilà, donc on peut retourner paramétrer, on va mettre pour démarrer un cerf. Voilà, vous pouvez choisir la végétation, vous allez pouvoir choisir donc la distance à laquelle il est susceptible de passer. Et sa vitesse. Donc là, il sera arrêté 15 km/h, 35 km/h, 55 km/h. Chacune dépend du type d'animal que vous avez mis. La direction dans laquelle il va venir, le nombre d'animaux, on va commencer gentiment avec 1. Vous allez pouvoir lancer votre scène. Donc là, je l'ai mis, il va arriver de la gauche, je le sais. Le voilà, il va pas très vite. Donc là, maintenant, je peux prendre mon tir. Très bien. Voilà, donc en fait, on va pas juste tirer et dire « bon super, j'ai tué mon cerf », mais on va pouvoir analyser de manière extrêmement précise le tir que je viens d'exercer. Regardez, en fait, on va voir avec le point rouge, c'est le geste exact que j'ai fait avec mon canon. On voit bien que je remonte l'animal jusqu'à arriver derrière l'épaule et que je lâche ma balle. On va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail en regardant ici, fixé cette fois-ci sur l'animal. On voit bien à quel point j'ai remonté vers l'épaule. Le moment du coup de feu... Je vous laisse observer ça. Le rond bleu correspond à l'endroit où j'ai visé. Et la petite barre bleue correspond à la correction, en fait. À la différence entre l'endroit où j'ai visé et l'endroit que j'ai touché. La correction, qui ici n'est pas énorme. Vous voyez, c'est un animal que j'ai tiré à 33 mètres et qui n'allait pas très vite. Et donc, vous avez exactement représenté ici la morphologie de l'animal avec la trajectoire de la balle. Représenté donc en rouge, la grande flèche rouge, vous voyez qu'ici j'ai percé les deux poumons, donc l'animal est mort sans aucune forme de doute. Donc comme je vous disais, on va pouvoir tirer à 360 degrés, donc je vais pouvoir ici choisir toutes les directions possibles et inimaginables, et c'est ce qui va vous permettre d'imaginer pouvoir tirer absolument de tous les côtés et qui va vous faire travailler la position des pieds. Voilà, là je vais bien chercher mon renard, hop là, une balle parfaite. Maintenant, je me remets en position de tir, je suis sur mon mirador, je suis en battu. J'écoute, j'entends que ça arrive de la gauche. Balle un peu arrière, je rattrape et je remets une en plein cœur. Et vous pouvez bien entendu donc augmenter le nombre d'animaux jusqu'à 5. On va commencer gentiment avec une harpe de cerf assez vite qui nous arrive de la gauche. C'est parti. Alors on prend tout de suite celui qui va le plus vite. Je vais mettre une grosse avance, vous avez vu? Voilà, et on peut analyser, regardez comme je garde bien ma ligne horizontale, je viens passer devant, je tire environ 30 cm devant, je reviens prendre mon deuxième cerf, j'ai pas assez mis d'avance et la première balle est touchée mais pas suffisamment mortelle, je corrige un petit peu et je le fais. Et pareil pour le dernier, je reviens dans l'animal, je vais un peu plus vite que lui et je tire. Bon, vous avez compris le principe, pour s'amuser, on va se mettre une petite troupe de sangliers. Pareil, je garde le même sens. J'en mets 5. Attention, ça va être la folie. This is Wild Boar Fever. Ah, parfait, j'ai vraiment fait le tir parfait sur cette compagnie de sangliers.
on va pouvoir encore une fois l'examiner. Et là, j'attends qu'ils sortent un petit peu de l'axe, qu'ils sont tous ensemble. Je fais le premier. On voit bien, je tire 5 à 10 cm devant l'œil pour taper dans la tête. C'est des animaux qui sont à une quarantaine de mètres, qui vont assez vite. Les premiers, ceux-là vont moins vite, donc je vais avoir moins besoin de devancer. Voilà. Parfait. Et vous pouvez regarder donc absolument tous les sangliers un par un pour voir la gestuelle que vous avez fait avec votre canon. Vous voyez l'avance pour le prendre dans la tête. Donc une fois qu'on s'est bien entraîné, on va pouvoir observer donc tous les autres scénarios. On va lancer par exemple celui-ci des sangliers dans la neige. Et là, c'est magnifique. On se retrouve donc en battue. Vous entendez les sangliers arriver d'un côté ou de l'autre. Parfait. Donc voilà, là c'est vraiment le fun, c'est là où on va pouvoir le plus s'éclater, être le plus réaliste, donc du coup avec des animaux et des trajectoires aléatoires. Ce qui est important aussi à vous montrer, c'est qu'en fait, même si vous leur mettez une balle un peu mauvaise, ils prennent la balle et ils continuent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment fait pour stopper l'animal que lorsque la balle est parfaite. Ça vous entraîne à vous corriger, à reprendre votre tir, corriger sûrement le devancement et mettre une meilleure balle. Je vais lui mettre volontairement une mauvaise balle. Et vous voyez, tant qu'elles sont mauvaises, il continue de courir, il corrige. Je lui mets une balle plein poumon et là, il est mort. Voilà pour ce qui est de ce scénario. On va commencer les canards maintenant. Donc cette fois-ci, évidemment, on va passer avec le fusil. Donc regardez comme c'est génial pour les canards. Je suis à mon poste, je vois mon nombre de cartouches. Je suis caché derrière les roseaux et vous voyez que si je me baisse, en fait, voilà, les roseaux me cache un peu plus, c'est vraiment bien fait. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 360 degrés, je reste caché parce que si je me lève, en fait, je vais toucher mon plafond, moi, ici. Mais chez vous, ce ne sera pas le cas. Mais dans mon studio, je suis un peu trop à l'étroit. Donc, en fait, ici, pour vous montrer, je vais être obligé de me mettre à genoux. Alors, ça vous oblige vraiment à chercher dans tous vos angles si des oiseaux arrivent. Là, j'en ai repéré un. Je vais me baisser. Je le laisse approcher et je vais le tirer en rentrant. Hop, je fais ma correction, parfait. Il tombe dans les pieds. J'ai même pas besoin du chien pour me l'apporter. Voilà, donc c'est vraiment top. Vous allez vous éclater quand ils sont un peu loin, c'est vraiment challengeant. Et là, vous allez pouvoir gagner 10 ans d'expérience. Franchement, vous allez pouvoir tirer des milliers de canards. Et dans la vraie vie, évidemment, ça vous prendrait des années pour bien identifier quel devancement vous devez mettre en fonction de la distance et de la vitesse de ces oiseaux. Donc ça, c'est vraiment une aide qui est extraordinaire pour la chasse au petit gibier. Vous allez vraiment gagner énormément de temps et d'expérience. Regardez celui-là, hop. Celui-là, je vais mettre un peu plus devant. Et voilà. Alors, de la même façon que pour les sangliers, vous allez pouvoir analyser votre tir et voir exactement les devancements que vous avez fait et où est-ce que vous avez touché ou pas touché. Il me venait droit dessus, je l'ai juste couvert. Vous voyez, la correction n'est pas énorme, il a pris la gerbe pleine tête. Voilà, il y a aussi les cerfs. Bon, c'est juste pour vous montrer, il n'y aura pas beaucoup de commentaires, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différents scénarios. Et voilà, donc dans la hêtraie, des cerfs qui arrivent à différentes distances et différentes vitesses. Vous avez compris pour qui. Voilà, j'ai quand même pris bien devant, même s'il ne va pas vite. Après un premier coup de fusil, en fait, le cerf va accélérer. Donc là, je vais avoir une correction plus importante. Voilà. Voilà pour ce qui est des cerfs vidés, vous avez compris, je vais quand même vous montrer rapidement les autres scénarios. Il y a aussi l'ours. Bon, en ce qui concerne la chasse des ours, bien entendu, en Europe, on les chasse pas trop, c'est plutôt aux États-Unis et au Canada, mais ça peut être quand même rigolo. Et dans tous les cas, je vous donne un seul conseil, c'est de ne pas les louper. L'élan. Bon voilà, je vous cache pas que c'est pas mon préféré, la chasse à l'élan, c'est plutôt les modes de chasse scandinaves. Vous avez un grand chien qui met les élans aux fermes. Et puis voilà, ça vous entraîne aussi à être prudent vis-à-vis du chien. Et puis on regarde ce qu'il a trouvé. Je l'ai blessé. Voilà, j'ai fait mon élan. Allez, le trophée sera dans la Feiyurum.
le stand de tir avec le fusil d'assaut, on en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, c'est des challenges à l'américaine, ils vous expliquent ce que vous devez faire. Et puis bon, on va passer tout vite. Hop. Voilà. Donc voilà, ça c'est marrant, vous pouvez faire ça avec des amis, vous challenger, encore une fois. C'est sympa pour le côté compétition. Donc il y en a deux de ce style-là. Et on a fait le tour donc de tous les scénarios que vous avez en achetant le jeu à la base. Et il y en a trois autres qui ont été rajoutés. C'est Hunting Lane qui simule en fait une battue qui a été basée sur Whiteboard Fever. Donc voilà, Hunting Lane, c'est mon scénario préféré, il est vraiment génial. En fait, vous avez les consignes de tir qui vous sont données au début. Vous avez aussi des chiens et des voisins, évidemment, qu'il faut à tout prix préserver. Vous êtes à votre mirador et les animaux arrivent. Encore une fois, ça arrive de tous les côtés, vous jouez sur vos placements des pieds, c'est vraiment super. Vous avez vos angles de tir à respecter, surtout pas de tirs qui ne sont pas fichants non plus. Et après, vous avez aussi des tirs éthiques. C'est-à-dire quand il y a une laie, une petite, une laie à un marcassin ou à, enfin, une bête rousse, il faut préférentiellement tirer évidemment la bête rousse. Alors regardez comme c'est satisfaisant. Les réactions à la balle sont super réalistes quand vous séchez les animaux. Regardez, les réactions au tir, elles sont vraiment super bien faites. Donc la seule chose, c'est que bon, là c'est les règles allemandes, etc. Il n'y a pas l'angle de 30 degrés ici qui figure. Mais bon, à vous de vous imposer vos propres règles. Voilà, ça vous met dans le bain, vous avez vraiment envie de performer. C'est vraiment mon scénario préféré. Voilà, renard au saut de la ligne. Le gros mâle. Parfait. Boum! C'est super immersif, les animaux vous arrivent de tous les côtés. Et voilà, à la fin de la partie, vous avez donc tous les animaux que vous avez tirés. Vous voyez donc le bilan de toutes vos balles. On voit que les miennes ne sont pas trop mal, il y en a une qui n'a pas été terrible. Et vous avez votre score global, le nombre d'animaux que vous avez fait. Votre précision, le nombre total d'animaux qui sont passés, le nombre de balles que vous avez tirées, les animaux que vous avez ratés, ceux que vous avez blessés, et ceux que vous avez tués. Et votre score global en fonction du respect de l'éthique, des consignes de tir, des conditions de sécurité, et du nombre d'animaux que vous avez blessés et tués. Et moi, mon record, c'est 19 000. Donc voilà, c'est aussi avec ce score que vous allez pouvoir vous challenger avec vos amis. On regarde vite fait. Donc, la simulation Drucken, vous avez une indication des distances pour vous entraîner encore une fois à faire les bonnes corrections. Et vous allez attendre ici que des animaux approchent. Donc là, je vois que c'est une laie et un petit derrière. Je vais la laisser venir. Si jamais vous avez tué tous les petits, vous pouvez faire la laie après derrière. Tant qu'ils mettent un peu de travers. Boum. Et la baie. Voilà, parce qu'il faut réduire les populations. Boum. Celui-là, il arrive avec de l'élan. Boum. Magnifique. C'est vraiment ultra plaisant, ultra satisfaisant quand vous mettez une bête balle comme ça. Vous avez le ball trap qui est en option aussi et qui est vraiment super sympa. Vous choisissez donc le nombre d'éléments que vous voulez tirer. Hop. Et moi, ce que j'aime bien mettre là, c'est voir où je tape. Et puis vous pouvez choisir donc aussi tous les différents postes. Boum, parfait. Je place mes pieds à l'endroit où je vais tirer. J'attends mon plateau. Je vais chercher. Voilà, loupé au premier coup, bien rattrapé au second. On va se mettre au rabis. Bon, j'étais en mode facile, je l'ai eu quand il ralentissait. C'était mieux. Et voilà, on peut en faire encore une fois les analyses de tir. Regardez ce plateau, j'arrive, je suis loin derrière et je vais commencer à accélérer. Je passe un peu dessous
J'accélère pour le dépasser et je tire environ 30-40 cm devant avec un peu de sous pour pouvoir le toucher. Voilà, donc ça, il y a une infinité de solutions et de positions pour vous amuser. Vous pouvez changer la vitesse aussi et donc ça va plus ou moins loin. C'est vraiment super pour l'entraînement. Voilà, après vous pouvez vous challenger, que ce soit pour vous-même ou vos potes, pour améliorer vos performances. Et vous verrez, c'est aussi fun qu'efficace et addictif. Alors le public cible, bah, ça peut être un chasseur tout seul qui souhaite s'entraîner, ou bien une famille complète, ou bien une bande de potes qui aime bien se challenger. Ça peut être aussi une super opportunité de former les jeunes chasseurs, ou même de les faire, essayer à des non-chasseurs et de leur donner envie de passer le permis de chasse. Je pense aussi que ça peut faire un carton dans les cabanes de chasse avec les copains après ou avant la chasse. Pour ce qui est du coût, en ce qui concerne donc le casque de réalité virtuelle, qui est une partie hein, complètement indépendante de Game, vous le trouverez partout sur tous les sites qui font du numérique, autour de 400€. Encore une fois, ça combine l'écran et la console. Vous pouvez faire plein d'autres choses que le simulateur de chasse, il y a des jeux de pêche, il y a plein de trucs. Ensuite, pour la partie simulateur, donc l'ensemble est vendu depuis la Suède. Mais pas d'inquiétude, vous pourrez payer en euros. Cela se passe sur le site www.game.com. Vous allez sur Our Product, sur la partie compact. Et c'est la partie en fait qui est faite pour le grand public. Et vous l'ajoutez au panier. Il se peut que le prix au début soit en couronne suédoise, mais dès que vous mettrez France dans l'adresse, ça passe en euros et le prix est donc de 490€. Et comme je vous le disais au début, pour ce prix, vous aurez le fusil et les codes pour télécharger le jeu Game, l'application que vous aurez dans l'Oculus. Vous aurez également une notice en français. Et vous verrez, c'est super simple à installer. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo sur l'unboxing et l'installation. Et je mettrai ça dans le lien de la description dès qu'elle sera terminée. Ensuite, chaque nouveau scénario vaut entre 35 et 45€. Mais grâce au partenariat et au fait que j'ai participé à la série Whiteboard Fever, j'ai obtenu qu'avec le code FELIU, vous obtiendrez gratuitement le meilleur scénario, celui qui a été créé à partir de la série Whiteboard Fever. Il s'appelle Hunting Lane. L'avantage aussi, c'est que le jeu va pouvoir évoluer. Il y a de nombreux scénarios qui vont venir élargir la gamme du possible. Et je vous avoue d'ailleurs que je travaille avec des développeurs pour simuler la partie permis de chasser, la partie pratique, ce qui pourrait être un vrai plus pour tous les jeunes et améliorer les résultats de nos futurs chasseurs. Et je travaille aussi sur un nouveau scénario de chasse qui, normalement, j'espère, promettra des bons moments. Et j'ai une bonne idée aussi, je vais organiser quelques lives sur YouTube, donc en direct avec vous, directement depuis l'application Game, où vous pourrez me lancer quelques challenges et où je pourrais aussi donner à ceux que ça intéresse quelques conseils sur les méthodes de tir en battue. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai dès que je pourrai. À très vite, bien entendu, bonne saison de chasse et surtout, très bon entraînement. Allez, à bientôt. Moi, j'y retourne. Un petit peu l'exercice en termes spatial. Avec ça, avec... Salut les passionnés, j'espère que la vidéo vous a plu, et si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur « Rejoindre ». Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite.